bonsoir à tous. Bonjour à ceux qui nous regardent ce matin. Nous allons aujourd'hui parler de cette erreur ou ces erreurs qui avaient été commises à l'intronisation du président de Chine. Et nous dirons pourquoi cette erreur le jour l'a porté préjudice pour et nous dirons pourquoi Dieu a pourchassé à jamais l'injustice et la honte par la franc-maçonnerie. Je vais vous faire un live, mais le temps me manque. Peuple gabonais, c'est enfin notre sort vers la félicité. Une erreur s'est levée. Le diable est dans les détails, Satan est dans les détails. Je me suis toujours demandé. Mais quelles sont les raisons qui nous ont poussés à publier ces choses à la connaissance de tous? Je me suis toujours posé la question. Ce n'est que maintenant que je comprends que il fallait que ces choses soient publiées pour que nous puissions prendre connaissance de ça. Et comme chez les francs-maçons, ils savent que les détails ont une grande importance. Nous allons parler de ces détails importants et ces erreurs qui ont été commises, qu'il ne fallait pas commettre. Les perfides trompeurs nous ont trompés, ils ont semé le poison et la haine et répandaient la peur. Mais un jour sublime est arrivé, une aurore s'est levée et plus rien ne peut arrêter le Gabon. Plus rien ne peut arrêter le Gabon. Une aurore s'est levée. Une aurore s'est levée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et que Dieu vous préserve jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir. Soyez connectés. Partagez au maximum. Joseph Lévy vous fera part des choses qui ont terni l'image de notre nation. Ce Gabon qui devait être une nation enviée par d'autres nations. Qui devait être bâti par des cœurs illuminés de la lumière de l'Éternel, de Jésus-Christ. Nous sommes restés là comme ça. Ils ont commis des erreurs. Et nous allons mettre le doigt sur ces erreurs qu'ils ont commises ce jour-là. Les francs-maçons savent qu'ils ne doivent pas faire les choses par précipitation. Ils savent aussi qu'ils n'ont pas droit à l'erreur, parce que Satan ne pardonne pas les erreurs. Je répète, Satan ne pardonne pas les erreurs. La seule personne qui pardonne les erreurs, c'est Dieu, c'est Jésus. Satan ne pardonne pas les erreurs. Peuple gabonais, que Dieu vous bénisse. Peuple gabonais, des bords de l'océan au cœur de la forêt. Accrochez-vous à la prière. Accrochez-vous à Dieu. Ça va se secouer. Mais accrochez-vous. Ceux qui sont venus avec l'œil maçonnique, comment se fait-il qu'un homme aussi éclairé, comme ils se font appeler, ils n'ont pas vu la chute, ils n'ont pas vu l'armée venir prendre le pouvoir. Joseph, que vous voyez là, il parlera de cela ce soir. Ce soir, il mettra le doigt sur ça. J'ai été élu pour ça. Enseigner les vertus qui font de nous, les Gabonaises et les Gabonais, un pays digne d'envie pour chasser à jamais les sorciers, les profits trompeurs. Levons nos yeux vers l'Éternel, c'est le Gabonais.
Mais vous, nous vivons l'éternel. Et mettez vos bras autour de ce drapeau. C'est notre nation, c'est notre patrie. Que Dieu vous bénisse. C'était Joseph, votre frère.